Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui nous sommes samedi le 3 février 2024 et donc nous venons réagir sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai eu à discuter avec Bandeko Ebele Nakati ba Space ba X, hein, comme on peut dire, ancien Twitter, sur la performance de notre armée. Vous vous souviendrez que dans le temps, j'avais déjà fustigé armée na bisonga na lobaka kengai jamais na ko supportaka armée oyo. Armée oyo ata to sali ndenge nini, ngai mon point de vue c'était celle-là. Bato baza koloba ke non, il faut que to supporte armée na biso, mais armée nini oyo toki ko supporte eza ko perdre. C'est comme si vous aviez une équipe, eza équipe na bino moko, mais bozolo ba mais ata tozo perdre eza équipe na biso. Bien sûr, faire de cette tika ekotika la armée ya République démocratique du Congo. C'est bien. Ça c'est notre armée. Mais cette armée-là n'est pas organisée, elle ne répond pas vraiment à tous les critères d'une armée républicaine qui peut se battre pour son pays. Batwaza kolobao infiltration, batwaza kolobao. Moi j'ai dit ceci, moi je ne dirais pas Bendele quoi ya tête au supporter armée wana. La preuve en est que le même président de la République, azako tika armée wana, azako kende kolobaba likambo wazalendo, soy wazalendo wana. Et aujourd'hui, voyez là où nous sommes maintenant. Bakumisa ki wazalendo en pensant que ça pouvait remplacer l'armée. Moi, est-ce que j'avais tort? Est-ce que nga nazala ki na tort tant on a bandé koloba ke likambo armée o faut to bongisa yango? Maintenant que Goma est menacée, maintenant que toza ko prouver que non, nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons rien faire avec ce que nous avons comme armée. Toki ko sala nango eloko moko te bandeko. Totala nana miso toto loba. On ne peut pas commencer à s'accélérer avec une petite victoire. Oh, bah, wazalendo, baza, quoi, empêcher progression à ennemi. Ça, c'est quoi, ça? Et que fait l'armée? Oh, non, l'armée est montée en puissance. On va faire ceci, on va faire cela. Bandeko, la réalité aujourd'hui est que cette armée-là n'est pas une armée républicaine qui peuvent intimider les ennemis de la République démocratique du Congo. Yangote, ko sa lelo ko mon côté. Batouana tangu bazo décider ko attaquer biso ba koki ko ya ko kozwa Goma tangu nyoso balingi. Ainsi on se pose comme question. Likambo oyo Kinshasa za koloba nini? On a vu notre armée massacrer le paisible citoyen. Il y a des vidéos qui circulent que l'armée est en train encore de massacrer à Fungurume dans le Katanga. Donc on se pose la question finalement armée oyo eza nini? Qu'est-ce qui se passe? Félix Ozo Memabiso Wapi, pardon. Félix Tshisekedi na ba acolyte na yo. Boza ko bunda kuna pona ba poste na bino pona ba ko se maintenir au pouvoir pendant que le pays à l'est est en train de partir. Mboke za ko kende bande konangai. Les gens qui meurent là-bas, nous ne voyons pas ça tozo mona yango te. Ba intérêt na biso kaka nde yango ko animer biso vraiment. Les intérêts personnels, le pouvoir pour le pouvoir yango oyo. J'espère que bokozwa gloire à Léopard et gagné gloire wana nde bozolinga nde ba bisonde bisonde. Non, ce n'est pas ça le pays, ce n'est pas ça le pays. Ezaka lokumu te bande konangai. Le pays ezaka kake no biso kaka nde munkwa tombolo Tshisekedi ngai boy ngai boy. On organise des élections le plus mafieux possible. Et comme ça, vous voulez que bozoka ni sakito continue na modèle oyo. Bon, ngai boye bisanga isiko. Félix alobaki ke non soki escarmouche moko. Babomi ata congolais moko. Maintenant, combien de congolais sont en train de mourir? Combien de localités ont été prises dans les 2 jours ici? Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour réunir ces histoires-là? Soki a parlement na Sénat. Est-ce que Sénat ngo ezalaka? Et donc là, nous sommes toujours dans les mensonges, dans la démagogie. C'est comme ça que nous disons que Félix Tshisekedi est complice na eloko oyo eza kosalema na est. Et on est en train de le distraire, bien sûr. Distraction oyo eza et pas banani. Et pas ba master na ba kamere, ba tunyo sotwana, ba mwindo zangi. Et là,
Je vais encore dire quelque chose sur notre frère Mouindo Zangi. On dit que non, Alliance au fleuve Congo est ali malamu parce que Batouana, Julien Paluku, c'est ligué, tout ça. Mais regardez lorsque Mbosso vous disait de quitter les groupes armés. Mouindo Zangi s'est précipité à kokende ko formé on les appelait quoi? On les appelait les réservistes. Bah, groupes armés, wana, bah. Donc, nous allons dans ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité des choses. Et c'est par là que même la communauté internationale est à cause d'Abisso. Bazakozouabisso n'a pété. Regardez ce que la ministre, disons, président Tanzanie, Aloba, qui n'a pas président, il y a Afrique du Sud. Alobi, biso, so ki toko kende Congo, toko kende ko bundate, tozo kende nde ko mission, na biso ezakuna, po na, ya pe, ya kotia, ya nani, ya kotia kimia. Ezate ke toko kende ko bunda. Mais, bozako yo, qu'Afrique du Sud a rassuré, il a même envoyé un émissaire à Félix Tshisekedi pour le rassurer. C'est quoi, effectivement, qui est en dessous de ces cartes-là? En dessous de ces cartes-là, il y a un problème des intérêts. Il y a Afrique du Sud na Congo, surtout dans le Katanga. Ils savent que non, ceux qui bakayi kuna, ils vont récolter aussi des contrats ou bien bakozwape, bakaren minier na bango ko booster population na bango ko économie na bango awa. Bandeko, likambo ya forces armées congolaises, il faut totalela yango malamu e kobongisa mboka te. Makambo eza ko salema na est de la République démocratique du Congo, ceux qui tokebi te. C'est l'AFDEL bis, évolution AFDEL bis, oezako se répéter. Et je ne cesse de le répéter ici. Tokomona likambwa AFDEL et Angwana ezako se répéter. Awa. Déjà, l'alliance fleuve Congo, oezako sanganana M23, ça prédit déjà les choses. Ndenge ba alliance e kobanda ko se formé. Et même ceux qui sont au parlement là. Tangu batwana ba kobanda ko avance, si Goma tombe, bokoyo kandenge, tant Moussousou Alliance à Vital Kamerhe est traversée. Parce qu'il y a des désordres maintenant. Na Union Sacrée, désordre Zali. Les gens commencent à se poser la question comment ils vont évoluer comme ça. Il n'y a pas de vérité. Élection Lekina Nengwana, Babilo Komoko Zangatina. Donc, on est comme des amateurs. Bandeko 2024, Oyo, Tozo Kende Nelango Ndenge Nini. Nous nous appelions, nous pensions que le président. Akukaki, attendez au lobby que non au gagné. Bon, laissez quand même votre clan politique une certaine vérité. Mais babilo konyo sotwe komika ka ya lokuta. Il y a des choses que moi je suis en train de fustiger ici que non, ça ne peut pas être comme ça dans un pays qui se sent que non tous les pays moko ça démocratique. Nous sommes tombés trop bas avec Félix Tshisekedi. Bon, ye wana mutaza ko commandité ma balzolo baba azo commandité makambo baba ya ba élection donc la cour constitutionnelle, la CENI et tout c'est lui. Il est devenu le roi soleil. Donc tozo kende wana, on annonce déjà le changement de la constitution, on annonce beaucoup d'histoires, on annonce babiloko oyo so ezako kende kaka na pays moko démocratique te. Et là, ezako se reflétait justement na force la désorganisation qui règne au niveau politique se reflète même au niveau du FARDC. Donc, le FARDC, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui peut défendre notre pays. Impossible. Le FARDC ne pourra jamais défendre notre pays. Nous sommes en train de le voir. Donc, bah, perte haute aux ako subir, ao. Le M23 n'dengue bas ako progresser, ao. Ça, c'est pratiquement une image d'une armée qui n'est pas organisée, une image qui n'est pas d'une armée décousue. Alors, comme tout ça là qu'a on a contact pro life to lobaka, qu'est-ce qu'il faut faire? To bimaka jamais a wa soki to ebisi binote eloko nini ango biso to kanisi, il faut salema. Bandeko, moi je commence à avoir comme appréhension que tozo kende kaka mabe. Ba élection eleki mabe. Ba ide o toza nango eleki mabe.
on n'a pas un plan. On n'est pas en train de chercher à résoudre des problèmes primaires, les problèmes essentiels de la République démocratique du Congo. Jamais on est en train de chercher à résoudre ça. Ponanini, parce que tozana ba idée progressiste était. On ne voit pas notre pays s'organiser. On est en train justement de perpétuer les choses qui vont nous amener à une certaine balkanisation à notre pays. Awa déjà tobande kolobake, non, il faut que nous puissions reconnaître que le FARDC, pour l'instant, il n'est pas capable de gagner une guerre. Ba FARDC na biso moko tolobaka, non, trahison zana kati. Mais il faut refondre ce FARDC là. Mais attends tolobi que to refondre FARDC po to bunda. Et les autres partis ya mboka, est-ce que kozalaka bobongo? Et kotika la kande ngwana, c'est comme cela que moi j'ai dit, il faudrait que ton dima que FARDC oyo ezali FARDC te. FARDC oyo eza image à un FARDC. Il faut to boma image wana to comment to banda. To koma lisusu eloko moko ya bien ya FARDC ya sika. Et tout ça doit être inclus dans un programme global de la République démocratique du Congo, justement pour apaiser les tensions qui existent pour l'instant. To apaiser batunyo so tout le babon bandeko, to bandeko kende mabe, mais maintenant nous devons nous ressaisir na deuxième mandat au Félix, to banda to tia babiloko nyoso na ndenge ya kimia pour que batunyo so babanda ko se retrouver. Et ainsi nous avions dit le plan que nous pensions ici, c'était le plan de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base avec le programme de 145 territoires. Oyo ekotindika batu bavanda to solo labo solo na kati ya bituka na biso moko. Dans les 145 territoires, nous devons nous parler sincèrement. Mboko eza mboka mutu moko te. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi ni à son clan, ni à sa tribu. Ce pays appartient à tout le monde et il faut que Batunyo surtout to vanda to solo là. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko, il faut to vanda to yeba nini yango eza iko sale mapo to vanda to solo là bien. Parce que na modèle auto zo kende mutu na mutu et comme siko on dirait dernier coup de sifflet. Mutu akoyiba ayiba na ye mutu akosala boya sala na ye. Les choses ne sont pas sur une bonne note. FARDC na biso mutu na biso mutu moko abande ko ebisanga lobio FARDC wana eza armée moko ya makasi. Mais je dis mais eza armée moko ya makasi oui na mitu na biso, mais sur le terrain ça ne va pas. Sur le terrain ça ne va pas. Bo bino moko bozolo ba keno ba infiltré ba le kiebele trahison le kiebele na kati, et donc on ne peut rien faire avec ce FARDC là. Mais est-ce que to kobunda modèle oyo? Tantôt, ce sont les maïmaïs qui doivent aider le FARDC. Tantôt, il n'y a pas une politique jamais pour gagner cette guerre-là avec une armée de cousis comme ça. Tokosa l'andengene. C'est ainsi que moi, j'ai dit, recommençons d'abord à parler avec nous-mêmes. Les Congolais doivent se parler pour tout la réconciliation nationale. Et Koya par force était. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'il fallait que cet appel-là soit dans ceux qui ont le pouvoir maintenant. Bah, comprendre que non, tozo kende mabe. Ko kende mabe, o eko sou ki samboka na biso na malamute. Il faut recommencer les choses telles que bobenga, bah, état de lieu de chaque territoire. Et c'est par là que possibilité, y a kosololana, bah, tuana, bah, oba, simba, mandoki, elinga kezala. Batouana, bien sûr, nous ne voulons pas, na katia configuration, alelo, oyo, président akende kosola na bango. Moi, j'encourage ça. Mais il faut que nous cherchions une formule, yako loba keno, ce sont tout le monde, c'est tous les Congolais qui essaient un peu de rechercher une solution globale à son pays. C'est-à-dire que, les états de lieu de chaque territoire devront être tenus dans chaque territoire. Si qu'on a un territoire au Batuba Simba Mandoki, Batuana, il devrait aller s'identifier là-bas dans un plan global. Ya koloba ke non, mboka o eza mboka ya ba M23 te, mboka o eza mboka ya ba Tutsi te, mboka o eza mboka ya ba Shite, eza ba Luba te, eza ba Swahili te, eza mboka ya ba Congolais nyoso o baza kovanda dans les 145 territoires.
Et c'est par là que moi, biso to balinga to loba, to loba que non. Nous devrions, en principe, comme ma bama solo, ana, na tous les 145 territoires pour dégager un consensus, y'a ba congolais, nyonso. Y'a koloba bon, plan ezanini. Awa, eloko nini, sécurité na biso awa ezandenge nini. C'est par là, dans les 145 territoires, qu'on pouvait maintenant commencer à fonder une nouvelle armée. Wana koutou na sauté étape, oh, soki ma solo, ana, ko, et, batunyon, so tu bandimi. Vous imposez une négociation, il y a Batounion surtout. Les négociations devront se passer dans les 145 territoires Batouna Batouba Sololi. Balobi awa tozala kana groupe armé. Alors qu'est-ce qu'il fallait concrétiser au bout ya ba masoloana, ya ba état de lieu à chaque territoire. Nous devrions avoir une ébauche d'une nouvelle constitution qui devrait être traité. Donc, ça processus et l'inga que même abisso, toi, kobimana quatrième république. C'est-à-dire que, to bomi bilo kwa kala, to réfléchir sur une république dont tout le monde pourra se retrouver. Na, baba, étape wana, soki to solo li. Donc, mission à liboso, ezali ko sala ébauche. Y'a constitution à que Congolais na katia territoire a réfléchi sur une nouvelle république, sur une nouvelle constitution, sur une nouvelle, bah, et bon, chez Zanango, et que ça doit être circulé dans chaque territoire, bah, lobby. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Allons-nous accepter que Mubembe soit Congolais sur toutes les matières de la constitution? Ça, c'est le point 1 que moi, je pensais que, et qu'on gagne qu'au solo la main, na katia nini, na katia ba état de l'éa territoire wana. Lorsque les territoires vont se mettre ensemble pour se parler, et bas solo la pona likambwa Congo, pona likambwa nouvelle constitution, il faut batunyo so tuba kende na ba thématique nyoso o tueza na constitution, et qui on sergi otolobi awa, ba meti par exemple, oh awa, batu oyo, batu tsiptole, batu mututele, la nationalité congolaise, chaque congolais devrait agri. Toyo cannabis onyon sorte que non bon ok muto abotama ki a cause la congolais biso a na territoire otomoni ndenge nini et que tous les 145 territoires se prononcent sur cette matière là na ba matière nyon sa constitution. Quelqu'un m'avait posé la question à savoir ombi ben ma papa Germain, est-ce que ça peut prendre combien de temps? Ça doit, nous ne devons pas nous fier au temps que cela doit se prendre. Nous pouvons peut-être prendre une année en disant bon, tout solo là na katia ba territoire, on va donner à chaque territoire 3 mois de faire cette ébauche là de la constitution. Ou bien ba former moi je pensais na ba état de lieu wana, chaque territoire devrait désigner ses fils au moins au nombre de 300 personnes dans chaque territoire au ba kovanda na katia ba masolo wana ba kende ko solo là ba ken. Et pourquoi dans les territoires? Parce que dans les territoires, les gens se connaissent. Batubaye bani. Kuna tricherie ou kiko zalate ke batouba ko kende ko vanda na assise wana te o to yebite. Batubaye bani ba yebike ba padir pa prêtre boya zala kuna. Ba société civile o moutoute a zala ka. Ba politicien abiso to yebani. To ko kiko sangana to lobi. Bo to forme un groupe ya 300 personnes na territoire na biso. Comme ça, to vanda. Et là, na équilibre, y a ba tribu, ou evandi na katia ba territoire. Parce que, même les tribus se connaissent. Les chefs coutumiers se connaissent. Les chefs de secteurs se connaissent. Les chefs de groupements se connaissent. Ba biloko wana, comme nous sommes structurés, ba tuwana, ba vandi, 300 personnes là, ils commencent à réfléchir sur les thématiques d'une nouvelle constitution. Ba, objectif nango ezani na point wana bazwa ebauche moko ya constitution ya koloba biso awa to moni yango ekoki kozala boye. Ainsi cheminement nango ezani ngeni na processus wana bokomona, nous pouvons maintenant donner la responsabilité à tous ces 145 territoires d'identifier la population au niveau de la du territoire. Batu ba kozala na ba mesure ya identification ya batu pour que toi yeba batu na territoire na biso boza combien na territoire oyo batu baza combien batu nini yango bazalaka awa batu nini yango basalaka nini na kati ya territoire boy. C'est ça qui nous tue et ainsi de suite. Tout nous connaissons le nombre de personnes. C'est ainsi que na zone loba awa likambo afare rese. C'est dès lors que nous pouvons dire que chaque territoire devrait donner un tel nombre de jeunes gens de 20 de 20 à c'est pas 25 ans ba kota sikon armée asika, parce que nous aurons identifié avec qui bato tozanango affaire.
Nous aurons à faire avec nos enfants que chaque territoire, par exemple, Tokoloba, chaque territoire, bon, pèse 1000 personnes ou bien 500 personnes. Et que ces gens-là représenteront vraiment le territoire au niveau de l'armée. Pour que dans les 145 territoires, ceux qui t'ont vu à 5000, na Katia Batouana, ou bien ta 800, nous aurons une armée républicaine représentative sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça la proposition que nous faisons sur ce plan-là. Mais maintenant, na katia ba koloko na ba état de lié à chaque territoire. Eza likambu na lobi to sala ébauche à constitution, pendant que nous sommes en train de faire une ébauche de la constitution, nous allons nous identifier et pendant que nous terminerons l'identification comme ça to banda ce processus ya ko recruter ba tupo na katia armée na biso. Et chaque territoire devrait s'impliquer à recruter Batou. Par exemple, on va mettre le profil d'un militaire ou bien des agents de sécurité Yambo Kanabiso. Par exemple, on dira, étude, il faut azalana diplôme d'État. Et c'est comme ça que j'ai dit que nous pourrons arriver à avoir une armée, même une police, naba agent de sécurité, oyo, ya solo, et puis, oh, baza, on peut former, ou on peut compter na loyauté, na bango, na patriotisme, na bango, parce qu'ils représenteront, ceux qui m'ont boulé, ça, et ça, l'ami, on pourra se dire que non, moutoua, na za, moutoua, wapi, ako, toko, kiko, kebi, ça y est, et puis, comme il a une identité, on pourra lui dire que non, en tout cas, na ndengyo sali boe, jamais tu n'entreras plus dans l'armée, conséquence, na ngo boe, tout ça, nous aurons à commencer à faire l'administration de notre pays. Bande koyango wana naza koyebisa bino ke là où nous devons réfléchir pour aller wana zaka côté moko kaka na pesi bino kaka idée moko on réfléchit sur l'aboutissement d'une nouvelle constitution enregistrement ya ba disons donc identification à Batunakati à ba territoire que nous allons maintenant mettre ensemble pour savoir la République démocratique du Congo et ça n'a pas tout combien. Alors au commandant Nakati à ba consensus wana et ya ba état de lieu wana, c'est par là que nous allons trouver le consensus et c'est par là où j'ai dit que kozalasiko occasion à koyebi sabato ba simba mandoki nakati à ba territoire, allez-y. Soki bozaba na mboka, si vous êtes des Congolais, conformez-vous, allez mettre vos propositions pour la direction d'un nouveau Congo. Au lieu de prendre le Congo par les armes, allez-y là-bas dans les territoires, bon solo là, si likambo a sécurité, mettez-y sur un bout de papier, bon discuter en gona kati aba territoire, kuna boye bana ke non, biso atomoni, na babilo kona biso sur le plan économique, sur le plan sécurité. Ça sera maintenant, c'est cette façon-là que moi je disais, que on pourrait même commencer maintenant à causer avec les M23 parce que bango baza koloba keno baza bango baza bana mboka. OK, boza bana mboka, pourquoi bosimbi manduki? Oh, tu sais que dazotongela biso nani te balabala te. OK, nous allons changer pour que tout le monde puisse azala na moyen ko revendiquer babiloko na bango. C'est ainsi que nous allons redonner le pouvoir au niveau de la base pour que aller s'exprimer là-bas et nous aurons une procédure pour venir faire les élections au bien aux à la présidente de la République, tout ça. Na réaction lelo na suki kaka awa, parce que eloko onga na lingi bola nangai na ba réflexion pe parce que on a zo réagir parce que l'armée na biso est pratiquement décousue. Na zo banga, je ne suis pas un prophète de malheur, na zo banga que Goma est tombé. Na modèle otozali ngai en tout cas na zo banga Goma est tombé. Alors Nakosuka awa en donnant encore une félicitation à nos léopards qui ont gagné, qui sont en train de gagner, en tout cas félicitations Bazako Tombola Lokumu Mboka, ainsi que donc Bazako Rasire Biso, peut-être Tokozwa Kupuana ou bien Dengeni Natan Denge Tozo Beta Beta Wana, je ne voudrais pas vraiment faire beaucoup de commentaires, mais je voudrais tout simplement leur féliciter. Et que Dieu puisse continuer à bénir la République démocratique du Congo. Et puis, pour terminer, justement, je vais vous demander aussi, vous, qui êtes abonné, de partager nos émissions. Si vous me suivez pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche de notification pour que vous receviez les nouvelles vidéos quand je le poste. Voilà, donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se revoit dans un prochain numéro. Au revoir.